Bonjour, bonsoir, tout abonné canal YouTube Jésus Bon Hippolyte là. Bonjour, bonsoir, tous amis Facebook.io et bonjour, bonsoir, chaque monde qui a une chance de recevoir une vidéo ça. Je vous apporte une vidéo pour nous, ou même qui a sorti Haïti, surtout, qu'on a un pile jeune fille, jeune garçon qui a quitté Haïti, qui a entré au Brésil. Si vous avez un objectif pour étudier l'origine du Brésil, alors vidéo ça, c'est pour vous. Dans la vidéo ça, je vais l'expliquer. Qui document pour préparer depuis Haïti, juste avant d'entrer au Brésil, si toutefois vous avez une opportunité pour étudier, pour ça va t'apparaître difficile pour vous de savoir venir tout préparer. Alors, au Brésil, haïtien, nous avons une opportunité nous qu'à étudier dans l'université de l'État et en privé. Ok? Toutefois, dans le privé, c'est soit vous payez ou du moins vous jouez une bourse d'études. Mais dans l'État, vous pouvez participer dans le concours correctement, de pour réussir dans le concours, ou étudier libre. Alors, qui document pour préparer Haïti? Tout le monde connaît, déjà, même seulement, bah, ou une petite explication, ou même qui t'a gagné un petit doute pour connaître exactement qui parcours pour faire avec diplôme baccalauréat, yo, avant que vous quittez Haïti avec vous. On allez. Premier bagage, vous avez besoin, c'est légalisation des diplômes baccalauréat. C'est-à-dire pour même qui t'ai fait bac unique, ou seulement légalisé et sans gain, mais pour monde qui t'ai fait deux bac, yo bac 1 bac 2 et y a légalisé tous deux. Qui côté va légaliser? OK? Premièrement, ou gain pour légaliser li dans ministère et ou légaliser li dans ministère de l'éducation nationale. OK? C'est le ministère de l'Éducation nationale. Deuxièmement, on va légaliser l'île, ministère des Affaires étrangères. OK? Troisièmement, on va légaliser l'île à l'ambassade du Brésil en Haïti. OK? Mais espérez-nous bien et prends ça nous pour nous comprendre que ça m'a expliqué. Alors ça c'est pas au cours à faire avec diplôme baccalauréat là ou du moins diplôme baccalauréat ou yo juste avant ou quitter Haïti avec eux si toutefois ou tu as un monde qui t'a fait philosophie ou en Haïti mais qui a quitté pays malheureusement et qui t'a déplacé dans un contexte que si t'as une opportunité pour t'a étudier, eh bien, c'est comme ça. On va seulement légaliser diplôme et le ministère de l'Éducation nationale, on va légaliser le ministère des Affaires étrangères et on va légaliser l'ambassade Brésil en Haïti. Bon. Qu'y a là, l'orgue Brésil qui s'allie? L'orgue Brésil, automatiquement, vous finissez gagner tout document qui est nécessaire, tout document qui est primordial, parce que il y a un document qui a fonctionné sans vous, bien que, d'accord, on a dit ça, qui n'est pas obligatoire, par exemple, un permis de conduire pas obligatoire au Brésil, mais il est obligatoire pour gagner, qui s'appelle résidence, il est obligatoire pour gagner un document que le CPF. Il est obligatoire pour gagner un carnet de travail. Mais on, trois documents, ça, on dit là, on pas qu'à fonctionner sans eux, dans le Brésil. OK, on pas qu'à fonctionner sans eux. Mais après ça, en ce qui a trait avec, et permis de conduire, et tant d'autres bagailles qui pas obligatoire. OK. Donc, le Brésil, premier document, il offre, c'est CPF. CPF, et qui c'est un document, et yo enregistré dans le système fédéral là. OK, c'est document ça qui enregistré dans le système fédéral là. Et si m'ta défini CPF là pour quoi c'est cadastro pessoa física.
On va comme ça. Physique. OK? Alors, et c'est enregistrement personne physique. OK? Alors, c'est document ça qui est enregistré dans le système fédéral Brésil avec CPF là. Et c'est à partir de lui-même qu'on va avoir accès avec tout l'autre document. OK? Deuxième bagage qu'on a besoin qui c'est RNE. OK? RNE qui c'est registre. Registre national. National estrangeiro. OK? Registre national estrangeiro. Troisième, ça va besoin qui c'est carteira de trabalho. OK? Trois documents ça yo obligatoire pour vivre dans le pays Brésil. Mais après ça, et l'autre document qui m'a pas cité, il n'est pas obligatoire ou pas fonctionner ça correctement. OK? Moi, je dis déjà, comment vous pouvez entrer dans l'université ici de Brésil? Si vous souhaitez étudier dans l'université de l'État, vous participer dans le concours correctement. Si vous réussissez, vous n'avez pas admis. Et si vous n'avez pas réussi, malheureusement, vous prenez chance une autre fois encore. Comme ça, tout. Ou ka jwenn bourse d'études dans université privée. OK? Et gen bourse d'études à 100%, gen à 50%, gen à 70%, gen 80%, etc. OK? Alors m'espère vidéo ça li li ka itil ou même et jeune garçon, jeune fille, nous connaît qui fait philosophie nous cap quitter pays d'Haïti. Alors si toutefois c'est direction Brésil n'a pas, si nous ta gen objectif pour nous ta mettre bête dans tête nous, vidéo ça c'est pour nous.